à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est les débriefs de Monsieur Abbé et aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Vous êtes prêts alors? C'est parti les amis. Mais avant de commencer les amis, avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour ne rater aucun direct et aucun débrief durant la Coupe du Monde 2022 et surtout à péter cette barre de like durant ce débrief, les amis. Mais les amis, quel match, je vous le dis, mais c'est quoi ce match? On va pas se mentir. C'est quoi ce match? L'Argentine, qui était favori à la Coupe du Monde, se fait incliner impair, donc perd face à l'Arabie Saoudite, 2 buts à 1. Mais moi, il y a un truc que je veux dire. Félicitations à l'Arabie Saoudite, qui a créé l'exploit, les amis, qui a créé l'exploit, lui, avec un gardien, super gardien, super gardien, qui s'est blessé à la fin du match. Mais j'espère qu'il va aller bien, parce que voilà, à la fin du match, il s'est blessé sur un joueur d'Argentin. J'espère qu'il va aller mieux, parce que ce gardien-là, c'est le meilleur gardien de l'Arabie Saoudite, je vous le dis déjà, et du Moyen-Orient, et j'ai pas peur de le dire, ami. Mais voilà, c'est quoi ce match, ami? Alors, on va commencer avec les statistiques de ce match, ami, donc. Les buts du côté de l'Argentine, avec le seul but de l'Argentine, c'est le but de Messi à la 10e minute. But sur penalty du côté de l'Argentine. Du côté de l'Arabie Saoudite, c'est Al-Sheri qui marque à la 48e minute de jeu du côté de l'Arabie Saoudite. Et Al-Dozeri à la 53e minute de jeu. Les statistiques de ce match, donc voilà, avec 15 tirs pour l'Argentine, 3 pour l'Arabie Saoudite, 6 tirs cadrés pour l'Argentine, 2 pour l'Arabie Saoudite, 70% de possession pour l'Argentine, 30 pour l'Arabie Saoudite, 0 carton jaune pour l'Argentine, 6 pour l'Arabie Saoudite, 0-0 carton rouge, 10 hors-jeu pour l'Argentine, 1 pour l'Arabie Saoudite, et enfin 9 corners pour l'Argentine et 2 pour l'Arabie Saoudite. Mais les amis, c'est quoi ce match, amis? L'Arabie Saoudite, félicitations, eux, voilà, et l'Argentine qui perd un premier match, perd son premier match, et qui perd d'entrée son premier match. Donc voilà, c'est pas fini, les gens nous disent, ouais, mais c'est pas fini. Oui, je sais que c'est pas fini, il y a encore deux matchs pour l'Argentine, mais l'Argentine qui est déjà perdue pour l'instant actuellement, qui perd ses moyens actuellement face à l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez la victoire de l'Argentine, mais je vous le dis, le football, si bien le football, c'est qu'on ne sait pas qui va gagner ce match. Voilà, les petits peuvent battre les gros, et ça fait plaisir, amis, ça veut dire. Mais là, quel match de dingue, amis, il y a eu presque partout des trucs, les amis. Et l'Arabie Saoudite, mais quel jeu, mais au moins un truc, c'est le gardien, mais quel goût de ce gardien, quel goût de gars, quel goût de ce gardien qui fait un exploit de dingue. Il n'y a eu que des tirs, hein, parce que l'Argentine, ils ont tiré, hein, ils ont plus tiré que l'Arabie Saoudite dans les statistiques que je vous ai montré à l'instant. Mais là, quel match de dingue, l'ami. L'Argentine qui perd dès le premier match, et l'Arabie Saoudite qui crée l'exploit, l'Arabie Saoudite qui a poussé. Moi, j'ai vu ce match, je me dis, mais waouh, c'est quoi ce match de dingue, voilà. Moi, je pensais que l'Argentine allait mettre 2-3 buts, mais là, non, moi, mais comme je vous dis, deuxième fois, dans le football, on ne sait pas, tout peut se passer, je vous le dis déjà, dans le football, toutes les équipes peuvent arriver. C'est 11 humains contre 11 humains, l'ami. Et je vous le dis, ça a été un match de dingue, l'ami. Et on espère que les prochains matchs de la journée, parce que c'est le premier débrief de la journée, on espère que les autres matchs seront encore meilleurs. Et encore une fois, félicitations à l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez énormément plu ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour être au courant des prochains débriefs, des prochains lives. Mettez un gros pouce bleu. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, l'ami. Ce n'est pas fini pour l'Argentine. Il y a encore deux matchs pour l'Argentine. L'Argentine n'est pas fini. Et au classement actuellement, au classement, voilà, c'est au classement. L'Arabie Saoudite est premier avec donc 3 points. Maintenant, il faut attendre le match du Mexique et de la Pologne, les amis. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était les débriefs de Monsieur B. Pour vous servir.